Salut à tous et bienvenue pour cet Alter JT du mardi 4 avril 2017. Un Alter JT spécial sur les artistes engagés. Alors on va mettre en musique, on va mettre en mots, on va mettre en images un peu toutes les luttes et on en a bien besoin pendant cette campagne présidentielle. Alessandro di Giuseppe est le pape 41, le saint-père de l'église de la très sainte consommation, qui va vous emmener en fait tous les jeudis soirs au théâtre du Gouvernail dans le 19e arrondissement de Paris, un artiste à découvrir. L'église de la très sainte consommation, qui elle seule détient la vérité à travers ses dieux tout-puissants, l'argent, la croissance et le Saint-Prophète. Ensemble, prions aux télévisions. Aux télévisions. Grâce à toi, s'éteint mon esprit critique. Grâce à toi, s'éteint mon esprit critique. Grâce à toi, je n'ai plus besoin de penser. Grâce à toi, je n'ai plus besoin de penser. Amen. Tomber. Si j'avais le pouvoir d'achat, ah, jetterais plein d'objets sans fil. Ah, jetterais un écran plat. Serait plus facile. Ah, je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Évidemment, Alessandro est candidat aux élections présidentielles. Hein. Mais attention, aux élections de 2012, aux législatives, il avait fait 1,29%. Et il avait fait 3,5% en 2014 aux élections municipales à Lille. Donc un très sérieux candidat pour Philippe Poutou, Nathalie Arthaud ou François Asselineau. Hein. Attention à lui. Angela Magnata, Angela 7, hein, est une affichiste, graphiste, qui explore toutes les figures de la gauche, les figures militantes, les figures anticoloniales, avec des portraits dans son style bien particulier, avec aussi tout un travail sur le féminisme. On vous invite à la découvrir à l'expo du 6 au 23 avril prochain à Ivry au Nucleus, une artiste en devenir. J'ai vraiment voulu parler de ces personnes parce que j'ai voulu vraiment montrer le parcours de personnalités qui ont vraiment œuvré pour les idées de la gauche et qui se sont réellement battues pour ça. Personnages humanistes, révolutionnaires, avant-gardistes, intellectuels, hommes et femmes de lettres, artistes, ils sont tous engagés, dignes, exemplaires. L'affiche a une symbolique très particulière parce que depuis que l'affiche est née, elle a représenté la voix du peuple ou la voix du gouvernement, bien sûr. Mais en fait, à travers mon travail, je voudrais donner la parole à ces personnes qui ont marqué l'histoire et notamment l'histoire sociale. Revisiter les personnalités qui ont marqué notre société, se plonger dans l'univers de ces êtres qui ont payé de leur vie pour un changement, une vie meilleure, et voir aujourd'hui ce que nous en faisons. Voilà, en fait, c'est de mettre en avant les véritables valeurs de la gauche et de reparler des doctrines socialistes, communistes et anarchistes. Avec des clics de conscience, John Attias et Alexandre Lombroso nous proposent de réfléchir sur la question des pétitions. Hein, une pétition qu'ils d'ailleurs eux-mêmes avaient, il y a quelques années, lancée et qui avait connu un vaste succès, Yes We Grain. Mais au-delà de ce travail sur les pétitions, c'est la place du citoyen dans la démocratie qui est interrogée. On s'est déjà tous demandé si une pétition pouvait changer les choses. C'est absolument symptomatique que nous sommes dans une crise démocratique lourde, grave. Je sais pas, aujourd'hui, quand on est citoyen, quels moyens on a, en gros, pour pouvoir parler? C'est tellement dur d'obtenir autant de signatures individuelles de personnes qui vont lire, être convaincues, cliquer, mettre leur nom, remplir le formulaire, etc. Qu'est-ce qui se passe?
Dans cette aventure, il a bien été question de lobbying citoyen. Et c'est grâce aux 70 000 signataires de la pétition que nous pouvons nous inscrire dans cette loi. J'en reçois beaucoup de vos mails. Voilà. J'en reçois beaucoup. J'espère qu'il est solide, le ministre. Hein. Il a des bons bras, parce que... Il y a des signatures, là. Personne ne peut faire pression sur moi pour me dire « Vous devez faire ci, vous devez faire ça. » Donc ça, c'est nous. Les citoyens prennent confiance en leur propre pouvoir de faire changer les choses. Ce qu'on vous propose, c'est de participer et d'être avec nous, les rédacteurs, justement, de cette loi. Dans 2 heures, on est fixé. Il y a une autre association qui s'appelle Comme une idée et qui m'ont apporté une pétition signée par 69 754 personnes demandant à ce qu'il y ait la liberté de semer. Qui est pour ? Alors bien évidemment, avec cette place nouvelle du citoyen, c'est aussi toute une refonte de la démocratie que nous proposent ces deux réalisateurs. Une séance aura lieu le 11 avril prochain au Sénat et une sortie dans les salles, un maximum on espère, en octobre prochain. Alors on se quitte avec Orchestre Debout qui est toujours debout et qui nous a proposé beaucoup de morceaux de musique dimanche dernier sur la place de la République, avec la slameuse MC Paloma aussi, qu'on va aussi découvrir, et mise en image par le très talentueux photographe Vincent Blanqui. On remercie aussi Philippe pour ses images et on vous dit à bientôt.